Depuis les débuts du jeu vidéo, les développeurs japonais se sont souvent inspirés de la pop culture occidentale, en particulier des films d'action et de science-fiction des années 80. Mais la réciproque est également vraie, et dans la deuxième moitié des années 90, deux studios de développement américains rendirent hommage, chacun à sa manière, aux animés japonais. En 1998, Monolith Productions est encore un tout jeune studio, s'étant fait remarquer avec le FPS Blood, basé sur le moteur de Duke Nukem 3D, le jeu de plateforme Claw, ou encore le clone de Gauntlet, Get Medieval. Trois excellents jeux dont on a d'ailleurs déjà parlé dans Retro & Magic. Pour son nouveau projet, Monolith veut frapper un grand coup. En effet, le studio veut lancer son propre moteur, le LeapTech, qu'il espère pouvoir licencier à d'autres développeurs, imitant cela id Software et Epic Mega Games. Il doit donc proposer un jeu spectaculaire et original. Et comme il s'avère que l'équipe est fan de séries de mecha comme Pat Labor, Gundam ou Appleseed, Monolith choisit de réaliser un FPS inspiré de ses œuvres japonaises. Un FPS où l'on pilote des robots géants, voilà qui sort de l'ordinaire. Dès la scène d'intro, on sent que Monolith a voulu bien faire les choses, le jeu possédant même son propre générique de début en japonais. Les développeurs ont même inclus de multiples clins d'œil à leurs animés favoris dans les décors pour les joueurs les plus observateurs. Shogo Mobile Armor Division propose une intrigue complexe, centrée autour de la guerre que se livrent différentes factions pour le contrôle de la planète Cronus, où l'on trouve un carburant aussi rare que puissant, appelé énergie Kato. La United Corporate Authority cherche à sécuriser la source de l'énergie Kato, mais une armée rebelle appelée The Fallen s'y oppose, et les deux camps règlent leur compte à coups de mecha. Le joueur incarne Sanjuro, un pilote de mecha ayant déjà perdu son frère Toshiro, son meilleur ami Baku et sa fiancée Kula aux mains de l'ennemi. Deux ans plus tard, Sanjuro, désormais en couple avec la sœur de Kula, Catherine, est convoqué par l'amiral Akaraju, leader des forces de l'UCA, qui lui confie une mission de la plus haute importance, localiser et assassiner Gabriel, le chef des Fallen. Your mission is to find and eliminate Gabriel at all costs. Évidemment, rien n'est ce qu'il paraît, et Sanjuro va aller de surprise en surprise, qu'on ne spoilera pas ici. L'histoire de Shogo, très développée pour un FPS de l'époque, est l'un des points forts du jeu, et peut déboucher sur deux fins différentes selon les choix du joueur. En termes de gameplay, Shogo propose des phases à pied, mais surtout des phases en mecha. Les deux se jouent comme un FPS classique, et pas comme une simulation façon MechWarrior. Les mechas ont toutefois la possibilité de se transformer en véhicules lorsque le joueur veut se déplacer plus rapidement dans les décors. Une autre particularité de Shogo est l'importance des coups critiques qui permettent de détruire plus rapidement les ennemis tout en regagnant de l'énergie. Bien entendu, les ennemis également peuvent infliger des coups critiques aux joueurs. Avant de partir en mission, le joueur peut choisir son mecha parmi plusieurs modèles, plus ou moins résistants, rapides ou puissants. Un contraste amusant de Shogo concerne d'ailleurs la modélisation des mechas et des personnages. Si les machines proposent un design et une modélisation très correctes, les personnages 3D sont malheureusement assez risibles. Par chance, on ne les voit pas souvent. Les personnages s'expriment le plus souvent via des portraits en 2D apparaissant dans le coin de l'écran, ressemblant parfois comme deux gouttes d'eau aux protagonistes d'animés populaires. Malgré l'envie de Monolith de donner à Shogo plusieurs extensions pour développer son univers, celles-ci ne verront au final jamais le jour, le jeu ayant eu le malheur de sortir au même moment que Half-Life qui l'éclipsa totalement. Malgré cette absence de suite, des clins d'œil à Shogo apparaissent régulièrement dans les jeux de Monolith, en particulier dans la série de FPS horrifique Fear. Et pour cause, Fear met en scène la corporation Armacam, qui n'est autre que l'une des corporations fabriquant les mechas dans Shogo. De là à imaginer que les deux jeux prennent place dans le même univers, il n'y a qu'un pas, deux robots. On peut également se demander s'il n'y avait pas quelques fans de Shogo au sein de l'équipe ayant développé Titanfall. Enfin, notons que Shogo a bénéficié en 2001 d'un portage sur Amiga, à l'époque où la société belge Hyperion Entertainment essayait de relancer la marque à l'aide d'une nouvelle gamme de machines utilisant un processeur de type PowerPC. Un autre studio plus connu pour ses FPS réalisera une lettre d'amour ludique à la Japanimation en 2001. Le studio est Bungie, alors connu pour ses séries Marathon et Myth, et pas encore pour le blockbuster Halo. Et le jeu, c'est Oni, un jeu d'action à la troisième personne qui sortira sur Mac, PC et PlayStation 2. Le projet Oni commence lorsque Brent Pease, un ingénieur travaillant pour Apple et spécialisé dans la 3D, fait la connaissance des patrons de Bungie. Le courant passe immédiatement et Bungie propose à Brent de travailler à la conception d'un jeu.
Brent n'a aucune expérience dans le jeu vidéo, mais il est passionné de Japanimation et particulièrement fan de Ghost in the Shell. S'inspirant de l'œuvre de Masamune Shirow et du film qu'en a tiré Oshii Mamoru, Brent imagine un jeu où l'on incarnerait une femme cyborg dure à cuire, capable d'éliminer ses ennemis à l'aide d'armes en tout genre, mais aussi en utilisant les arts martiaux. Oni se déroule dans un futur cyberpunk où la Terre a été ravagée par la pollution. Le jeu narre l'affrontement entre les forces de police de la Technological Crimes Task Force et une organisation criminelle appelée le Syndicat. They're here, finally. Is everything ready? You know it. Le joueur incarne l'agent Konoko, jeune recrue de la TCTF, qui, de fil en aiguille, découvrira les plans du syndicat ainsi que son propre passé. Inutile de dire que Konoko a des faux airs de Kusanagi, l'héroïne de Ghost in the Shell. Tout comme le commandant Griffin, son supérieur, a comme un air de famille avec Aramaki, le chef de la section 9. En tout cas, ils ont certainement le même coiffeur. La grande force de Oni est évidemment son système de combat, permettant d'effectuer toutes sortes de combos pour éliminer les ennemis. Cela peut sembler un peu rigide aujourd'hui, mais à l'époque on n'avait jamais vu un tel mélange. Les ennemis attaquaient souvent en bande, et Bungie avait intelligemment utilisé divers codes couleurs, l'une des spécialités du studio, pour donner aux joueurs une indication de leur puissance respective. La couleur des impacts lorsque les ennemis recevaient des coups indiquait également leur état de santé. Le joueur pouvait récupérer des munitions ou des sprays de soins auprès des civils croisés dans les niveaux, à condition toutefois de ne pas leur mettre une mandale accidentellement. Parfois, les PNJ venaient même épauler Konoko lors des combats. Les niveaux de Oni étaient souvent vastes et complexes, mais toujours cohérents et plausibles. Bungie avait fait appel à une équipe d'architectes pour en assurer la conception. Les environnements étaient réalisés sous AutoCAD par les architectes, puis importés dans le moteur de jeu, tandis que les personnages étaient modélisés dans 3D Studio Max. Si Oni est un peu tombé dans l'oubli, il n'en reste pas moins un excellent jeu d'action à la troisième personne, et le précurseur des jeux d'action 3D mêlant combat à distance et corps à corps, désormais devenu courant. Aujourd'hui, les frontières entre Japon et Occident semblent abolies et les développeurs du monde entier brassent toutes sortes d'influences. Ce n'était pas si courant à l'époque de Shogo et Oni, et ces deux titres méritent bien qu'on se souvienne d'eux.